Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça, une petite CDI 450. J'en ai jamais autopsié. Son propriétaire me l'a envoyé parce que, en fait, elle ne fonctionne pas. Le lecteur, il n'arrive pas à lire les jeux. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble et de voir ce qui ne va pas, en espérant que tout aille bien, tout aille pour le mieux. C'est la première fois que j'en ouvre une. On va essayer de voir ça ensemble. Dans un premier temps, je l'ai branchée. On va essayer de la démarrer et voir ce qu'elle raconte. Pour l'instant, pas grand chose, j'ai l'impression. Allô? Allô? Elle marchait ou elle marchait pas? Sa machine, il m'avait dit, elle lit pas les CD. Là, elle est plus. Ah, j'étais en HDMI. Bah, bravo! J'étais pas sur la bonne source. On va brancher le gamepad officiel qui vaut plus cher que la console toute seule. Hop. Bon, on en profite, hein. Moi, j'en ai pas des comme ça. Par contre, c'est fou, c'est qu'il coûte cher, mais il a l'air tellement cheapos. Tu vois, il est monocouleur, mono... Ouais, non. Pas fifou, le gamepad. Alors, on a plusieurs textures, mais tu sens que c'est le même matériau partout. Et si je dis pas de bêtises... Ouais, il faut redémarrer la console, sinon ça ne fonctionne pas. Et Rose Rolf. Waouh. On a que option. CD audio. Waouh. Ok. General. Volume. Max. Autoplay. On. Dim. Copyright. Forcément. Time and date. Janvier 89. À mon avis. La pile, elle est morte. Et storage, est-ce qu'on a des choses dedans? On n'a rien du tout. Parle. A plus, Kirou, merci d'être passé. Il m'a filé un jeu, The Apprentice, qui est dans un état pitoyable. On va le mettre dedans. Le spindle, il tourne, il n'est pas bloqué. Il est détecté et il tourne. Et on va voir s'il se lance. Et sinon, après, on a Tokyo, Fast and Furious, Tokyo Drift. Écran noir. What? Mais non! On m'a dit marchait pas. Je crois qu'on essaie de saboter mes lives. Je pense qu'on essaie de saboter mes lives. En m'envoyant du matériel qui fonctionne. Surtout que le CD, il est éclaté au sol, hein. Je t'envoie ma Xbox 360 qui marche, pourquoi pas. Allez, on prend. C'est payant, hein, par contre. Hein. Moi, les réparations, je les fais payer, donc c'est un peu dommage pour la personne. Bon, là, bon, dans tous les cas, on a vu que le PCB à l'intérieur, mince, comment ça s'appelle? Get ready. Qui a dit qu'il n'y avait pas de vrai jeu sur la CDI? T'es mal le jeu vidéo, quoi. Il est stylé ou de fou, en vrai, The Apprentice, là. Non? Il y a des animations quand il jump et tout. C'est fou. Je connaissais pas du tout. Bonjour, madame. En chiant, en chantier, je m'appelle Teuse. Et normalement, vous devez répondre quelque chose. 10 000 dollars, donne l'argent. Je peux le tuer, lui. Bah. Ah oui, pour mettre pause, comme il n'y a pas de bouton pause, il faut rester appuyé sur le bouton 1 et 2. Et pour ça, alors, ce qui est assez cocasse sur la... Bon, elle fonctionne. On va tester d'autres trucs.
On va tester d'autres trucs. On va tester. Non, on va pas s'arrêter là. J'ouvre le lecteur. Ça fait quoi? Ça redémarre la console. Très bien. On va mettre un CD de musique. C'est comme une belle machine. Je trouve. Elle a une bonne tronche, celle-là. Ah! Ah non. Le lecteur annonce des faiblesses. Quand ça fait des bruits bizarres comme ça. Quand ça va plus vite, moins vite. Pour mettre la lentille en PLS, pour la faire se promener de manière aléatoire et voir si elle est rapide à aller récupérer les sons. Bon, j'ai rien dit. Hein. Ouais. Comment dire? On a clairement une lentille en pleine forme là. Qu'est-ce qu'il m'avait dit le monsieur? Bon, excusez-moi, c'est Mick MDK. Je vous laisse avec ce doux son. Hein. Je vais juste regarder alors dans mon fichier, hop, savoir qui me l'a envoyé. Qui fait chanter ma fille. Ah ouais? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle n'est pas reconnue comme étant de mauvaise qualité. C'est possible, mais elle coûte super cher. Alors c'était bien ça, c'est des 450 problèmes lecteurs. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Ok, sur Twittos. Je vais vérifier que c'était bien ça le problème, mais j'en ai le souvenir. Et normalement, c'est ça. Hein. Et qui m'avait dit, le monsieur m'a dit oui, blablabla, blablabla, marche pas bien. D'accord, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Alright. Ah, Bon. Ok. Bon. Visiblement, c'était bien le lecteur. Si maintenant il répare juste en touchant, ouais, c'est un peu fort. Bah, ça fait plaisir, c'est un bon, c'est un doux son. Non mais n'ayez crainte, on va pas le garder de toute façon. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, malgré tout, la démonter. Parce que on va essayer de voir un petit peu dans quel état elle est à l'intérieur. On va lui faire un entretien complet. Et surtout, vous avez remarqué que le timekeeper n'a l'air de pas fonctionner. The touch of grace, of course. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ici on a l'emplacement pour la carte de décodage qui n'est pas là. Mais par contre, on a deux vis. Ici, on a deux autres vis ou pas? On a deux vis ici. On va venir enlever. Mais du coup, ouais, ça marche très très bien son histoire. Même avec son CD rincé du HUC. Hein. Connexion RJ, connectique RJ11. Non, RJ45. Hein. Le CD, il est rincé comme rarement j'ai eu un CD rincé. Et il fonctionne malgré tout très très bien dans la machine. Donc autant vous dire, la lentille, elle est en bonne santé. Donc elle, on peut la mettre hors de cause. Par contre, effectivement, ça peut être un souci. On avait eu le cas sur la CDI du bon Leloup 5PT1. Il y avait une CDI qui disait particulièrement bien et de temps en temps, paf, plus rien. Donc on enlève les petites vis. Ils font yesh et on va aller voir en dessous à quoi elles ressemblent. Et on va voir surtout à quoi ressemble de notre touch the lens. Of course, my friend. Ok. Est-ce que c'est que ces vis-là qu'il faut enlever? Je pense pas. Hein. Il doit y en avoir en dessous aussi.
1, 2, 3, 4. Ok. At the bottom, do you have some screws? Je sais, je suis bilingue, hein, ça peut impressionner un petit peu comme ça. Voir quelqu'un qui parle aussi bien deux langues. Mais qui sur aussi du travail. Hein. Ah non, il n'y a que 4 vis et tu peux lui démonter ses grands morts. Alors bien. Qui a fait ce bruit? Oh la belle marquine! On peut enlever le gros blindage qu'on a sur toute la surface de la console. On fait attention parce que visiblement la lentille est fixée ici avec les petits câbles. Peut-être elle avait juste envie de voyager. Hein. Des fois ça arrive, on a des consoles comme ça. Mais d'un point, on avait, pour rappel, on a eu une console aussi comme ça qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Vous souvenez-vous? Et on a le Timekeeper qui est juste ici. En termes de condensateurs, il n'y en a pas beaucoup. Je suis quand même étonné. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 condensateurs, 13 condensateurs. Y en a-t-il sous la lens? Oh, bah oui, ils sont là. Ils étaient cachés, les petits enfrelins. Comment, Little Boy? Ah oui, d'accord, les fils sont glissés là-dedans. Ok. Bon, dans tous les cas, on n'a pas besoin d'aller voir là-dessous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lui. C'est le Timekeeper. Le Timekeeper qui visiblement. Ouh la vache. A sa pile qui est morte. Ça commence à se voir. Par contre, c'est un Timekeeper, voyez-vous, qu'il est. Regardez ça. Que j'ai pas l'habitude d'avoir. Parce que moi, l'habitude que j'ai des Timekeepers, c'est d'avoir des Timekeepers avec la rainure entre les deux. C'est visible. Entre le haut et le bas. C'est visible qu'on ait une partie supérieure, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas sur celui-ci. Ici, on a le BIOS, si je dis pas de bêtises. On voit que c'est écrit CDI450. Donc, c'est lui qui vient notamment avec l'interface et tout le tintouin. On a le bouton Power ici. Donc, toi, du coup, si je veux t'enlever, comment que je fais? Et ouais, elle est bien brillante, hein. À l'intérieur, elle est en bon état. Et nous, on aime les consoles qu'elles sont en bon état quand il n'y a pas trop de rouille. On a deux beaux condensateurs verts qui sont des condensateurs audio. Et le dernier pour la route. Tac, et que tac. Maintenant, j'ai un film en plus vidéo CD. Ah oui, mais je peux pas le brancher sur celle-ci. Parce qu'elle n'a pas la carte de décodage. On débranche la lentille. Enfin, si la lentille est là, l'alimentation des différents moteurs. Waouh, c'est quoi cette lentille du démon? C'est une lentille du démon, ça, je reconnais, hein. Je reconnais. T'as pas envie qu'elle tombe en panne. Hein. En plus, elle est nickel sur le dessus. Elle est vraiment impeccable. Ok, on pose ça de côté. Alors par contre, ils ont vraiment fait une console qui se démonte en 4 vis. Si c'est le cas, acheter CDI, en fait. Il y a un moment... Il n'y a vraiment que 4 vis. Ici, il n'y en a pas. Elle est hyper bien faite en plus. Par contre, ça, comment tu l'enlèves? Comment tu enlèves le bouton? Normalement, tu es censé soulever ce genre de choses. Et là, on dirait que non. Non, c'est pour séparer le PCB par rapport aux parties audio, vidéo et autres. C'est ça. Philippe, ils ont été très cool avec les réparateurs, c'est qu'ils ont tout segmenté, ils ont tout écrit sur le PCB pour avoir un petit peu les différentes explications de qui fait quoi. Et notamment, on a un petit peu tout. Tu vois, ici, on a... Alors, normalement, c'est écrit. Ici, on a le digital vidéo, visiblement. Au centre, je ne sais pas. Ici, on a le SIAP part. Ça veut sûrement servir à quelque chose. Ici, on a le cerveau part. Donc, tout ce qui est partie lecteur, donc qui vient de là à de là.
Et bah, tout n'est pas écrit. Tu vois, si on a analog audio ici, pour cette partie-là. Non, bah du coup, pour cette partie-là, et qui continue ici. Ça, c'est pour l'audio. Les conduits qui sont là et tout. Et ici, on a analog tout court. Analog vidéo, c'est ici. Et on voit, de toute façon, c'est écrit vidéo encodeur juste là. Donc, je ne sais pas si ça aussi, c'est analog vidéo. Ah non, digital vidéo, et là, c'est analog vidéo. Digital vidéo ? Ah oui, parce que celle-ci, on peut la modder en RGB. Celle-ci, elle sort que du composite, mais tu peux la modder en RGB. Très beau composite au demeurant. Vous avez vu à quel point c'est beau ? Ça, c'est beau. Comment ça se démonte ? Comment tu démontes ? Ok, c'est clipsé. Hop là. Impeccable. Comme ceci et comme cela. Hop là, Royal Obar. Et donc là, normalement, on peut venir la démonter, mon bon monsieur. Voilà. Et voilà. Et en dessous, c'est encore découpé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a le timekeeper qui est là. Et on voit qu'on a des belles traces blanches sur le côté, là. Qui indiquent potentiellement, je ne sais pas quoi. Une carte de décodage en loose pour pouvoir tester les différents CD de ton film. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'écoute, un Rémi. Bienvenue à toi, Warlook. Merci pour ton follow. Et Théma, comme elle est belle, cette petite carte mère. C'est trop mignon, regarde. Elle est de bonne taille, elle est segmentée comme il faut. Il n'y en a ni trop, ni pas assez. Niveau condensateur, on a tout ce qu'il faut pour toute la famille, pour les grands et les petits. Franchement, c'est... Ouais, c'est beau. C'est très très beau. C'est un bel objet. C'est un bel objet. Bah ouais. Bah ouais. Il y en a qui triquitent la CDI, mais je suis désolé, mais Philippe, tu savais faire des machines hein, quand même. Hein. Ils se foutaient pas de ta gueule quand tu venais dépenser tes quelques deniers en achetant leur machine. Hein. Alors oui, blablabli, blablabla, c'est pas une console. Tout si tout ça, bah dans ce cas-là, la PS3, c'est pas une console non plus. Hein. C'est pas parce que ça lit des CD et. Enfin, ça lit de la musique et ça lit des vidéos que c'est pas une console. Ok, on a lui, le timekeeper, sauf que lui, je me suis jamais amusé à venir l'ouvrir. Et donc, plutôt que de m'entraîner sur la console d'un client, il faudrait que je m'entraîne sur une console à mouer. Donc, console à mouer. Et ça tombe bien, parce que des CDI, j'en ai quelques-unes. En vrai, j'en ai quelques-unes, j'en ai combien ? J'en ai 3, 4... J'en ai 3. Ça va. Tranquille. C'est quoi 3 CDI ? C'est rien. Et 4 ? Non, j'en ai 4. Ça va. 4 CDI. C'est avant tout une console. Merci, Papy. C'est gentil de dire la vraie vérité aux gens. Non, ça peut être une vérité qui fâche, parce qu'il y en a qui sont jaloux. Moi, je vois avant tout de la jalousie quand on parle de la CDI. Oui, elle n'est pas bien, blablabli, blablabla. Les CDI, j'en ai une palette. Oui, effectivement, j'en ai quelques-unes. Là, c'est une 470, donc vous avez vu, on a ouvert la 450 juste avant. La 470, regardez ça. Non, bah arrêtez de me dire, elle est pas mignonne. Regardez ça. Oh, c'est trop mignon. Regarde ça, comme c'est beau. Petite 470, là, comme ça, ça mange pas de pain. Regarde ça. Oh là là. Mad Dog, McCream. Eh ben celui-ci, je ne l'ai jamais testé, tu vois. Il faudrait peut-être qu'un jour... Ben, en même temps, il me faut une cathodique. Et j'ai pas de cathodique. Je l'ai envoyé hier, ma dernière cathodique. Et la CDI 470, qui est utilisée parce qu'on parle souvent, oui, à tort ou pas, on parle souvent... C'est beau comme un camion, on est d'accord. On parle souvent de la SNES qui est intégrée dans une télé. On parle souvent de la Dreamcast qui est également intégrée dans une télé. Ok ? Ok. Mais ils ont fait la CDI également intégrée dans une télé. Bah bien sûr. Bon, par contre, ils ont pris une CDI 470, ils ont passé des câbles à l'arrière et ils n'en avaient rien à foutre. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais celle-ci, c'est la version, du coup, que tu peux intégrer dans une télé. Parce qu'elle est toute petite. Et donc, on va s'entraîner sur la mienne à la Dremel. En espérant que ce ne soit pas un chantier à faire. Oh, la belle machine.
Bon, comme d'habitude, il n'y a jamais la carte de décodage. Hein. Personne ne l'a acheté, ça coûtait bien trop cher. Et encore aujourd'hui, ça coûte bien trop cher. Il est là, mon petit. Ah, mais si, elle est là. Oh, je l'ai! J'ai la carte de décodage dedans? Attends, c'est la carte de décodage? Mais non! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh putain, je l'ai. J'ai la carte de décodage. Alors ça, vous vous rendez pas compte, hein. Mais ça, tout seul, ça vaut plus cher que la CDI en elle-même. Hein. Oh là là, Digital Video Card Bridge, putain! Oh, je suis refait. Je suis refait de ouf. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je pourrais tester l'autre. Ça, c'est cool. Splendide. Impeccable. Et oui. Ah bah ça c'est la bonne surprise du chef, hein, si tu vois ce que je veux dire. Il faut que j'accède à la carte mère. Ça va être chiant. Non mais qu'on soit honnête. Ça va être chiant. Faut la tester si elle fonctionne. Oh, on testera ça. On testera ça. J'en ai une autre en plus qui fonctionne pas, qui a des problèmes de chauffe. Il y a un composant qui chauffe, et sauf que c'est un composant. Oh là là, elle va être chiante vraiment à démonter elle. Ah, attendez. Wait a seconde. Parce que j'ai ici présent une autre CDI qui, elle, est déjà démontée, est déjà dévissée, est déjà peut-être plus simple, accessible. Mais surtout, la carte de décodage dedans, c'est laquelle? Enfin, pas la carte de décodage, mais. Ok, on va prendre elle. Comme ça, je me ferai moins chier. Cool. Coolio Iglesias. Ok. Changement de programme. Je la remonte. Ce fut bref, mais au moins on a vu que j'avais une carte de décodage et ça fait plaisir. Hop. Je la remonte. Je garde la carte de décodage hors du. Je vais pas la remettre dedans. Elle, on fera un live complet dessus hein, quand on aura le time. L'autre, je vais la démonter, ce sera plus simple. Ça. Je pensais pas. Hein. En fait, la carte de décodage, t'es obligé de démonter la console pour l'enlever, quoi. C'est malin, ça. Regardez ça comme c'est compact et bien fait. C'est beau, non? C'est du beau matériel, je trouve. On se fout pas de notre gueule quand on achète une CDI. Le petit Capal. Moi, je trouve elle est vraiment, vraiment très jolie, cette console. Et j'aime trop comment elles sont faites. Et quand t'es réparateur et que t'as déjà toutes les inscriptions sur le PCB, et bah, tu sais que t'es en face de quelqu'un de sympa. Tu sais que les gars qui ont fait cette console, ils ont pensé à la réparabilité. Et ça fait plaisir. C'est pas dit qu'on arrive à les réparer, hein. Et pareil, hein, cette CDI-là et celle qu'on va démonter juste après, là. C'est des CDI que je mettrai en vente, un de ces quatre. Quand je les aurai réparés, mais j'ai tellement de choses à réparer. On a la PC Engine Duo, on a des Neo Geo AES, on a du coup 3 Philips CDI, on a un Mega CD2. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à réparer. Impeccable. Des Lynx en voiture, voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est. Je parle dans mes consoles perso, mais oui, effectivement, là, on a trois Lynx encore à réparer.
Enfin, on peut dire 4. On peut dire 4, mais bien sûr. Les Lynx, on en a réparé. J'ai plein de Game Boy à modder. J'ai de la PSP également. Les pièces ont été commandées d'ailleurs. Alors, je vais juste ranger ça ici même. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est venir découper. Ouais, ça va être un peu violent. Âme sensible, s'abstenir. Bien sûr, si je peux éviter de faire tomber la Neo Geo CD, ça m'arrangerait. Voilà. On y va mollo avec la Neo Geo CD, parce que quand tu sais le prix que ça coûte et la fragilité que c'est, on a la Saturne également, juste ici. Et la Neo Geo CD, on la pose on the top. Personne posé sur la Neo Geo CD. Sinon, je vais me faire taper par les puristes. Ok. Alors. Merci pour la raid hier. J'ai raid qui hier? Moi ou quelqu'un d'autre? CDI. Celle-ci, c'est quoi son problème? C'est la façade qui fait chier. La façade ne s'allume pas. Et c'est chiant. Ok. Donc, ce que l'on va faire. C'est que moi j'ai envie de m'entraîner avant tout. Ah mais non! Et tu vois, je me trompe en plus. C'est pas un qui est recouvert comme celle-ci. C'est moi, Elve My Console. Ah oui! Oh là là, et je me trompe en plus. Bon, vous savez quoi, on va l'enlever. Vas-y, tant pis. On va faire ça. Mais du coup, au plaisir. Au plaisir pour le raid. On va l'enlever, on va le faire sur celle-ci. Et au pire des cas, je sais que j'ai deux autres CDI qui ont les mêmes que celui-ci et je pourrais les remplacer sans souci. Ok. Pas de soucis, j'ai du spare. De toute façon, ils sont vides de chez vide. Je vais faire une petite photale avant pour voir comment il est placé. Et donc là, on va jouer de la Dremel après avec celui-ci. Y en a peut-être qui se demandent comment j'aime pas faire les CDI. Ah ouais, t'aimes pas? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je vais peut-être un petit peu te rejoindre. Souvent c'est le lecteur. Oui, je suis d'accord. Et c'est chiant, parce qu'il n'y en a pas qui existent. Enfin, en remplacement, c'est chiant à trouver. Alors, il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire, tout ça, tout ça. De trouver en bonne qualité. Ouais. Ben, un petit peu comme les lecteurs de PS2, un petit peu comme les lecteurs de PS1. Y a plein de lecteurs, t'en trouves, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Tiens, ça. C'est pété, c'est pas grave, c'est une CDI. Ah bah super! Ah bah sympa! Super cette machine. Moi je vois que de la jalousie. C'est tout ce que je vois. Alors, on va venir l'enlever. Mais comme sur cette version-là, c'est une version slim. Donc normalement, on ne peut pas la remettre sur socket. On va quand même l'enlever pour éviter de faire la découpe sur le PCB, pour éviter les vibrations. Et pour éviter d'enlever, de venir embêter les copains. Donc je refais les soudures. Je remets de l'étain. On va venir avec la pompe à dessouder. On va essayer de retirer tout ça. Si on peut faire ça juste à la pompe à dessouder, ça m'arrangerait. Et donc là, on est en train de s'occuper d'une puce qui s'appelle un timekeeper. Un timekeeper, c'est quoi? C'est une puce mémoire qui vient conserver tes données
donc tes sauvegardes et compagnie, au sein de la console, mais même quand tu débranches. Et donc, il y a une pile en son sein. Ok? Et donc, cette pile, arrivé un moment, bah forcément, elle décède. Alors, moi, on m'a dit qu'elle était... elle était vraiment mal émulée, justement, la CDI. C'est un peu la merde. Donc, on y va. Avec la pompe à dessouder. Hop, comme ceci. Et donc, il y a une pile à l'intérieur. Et donc, bah, forcément, bah, c'est la merde, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir découper la machine, enlever la pile et remettre une nouvelle pile. C'est un peu barbare, mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on va faire. Sauf que nous, on a un petit PCB custom made in Cabri. Très mal fait, mais qui marche. C'est mon premier PCB qui permet de rajouter un support de pile avec son petit oscillateur, parce qu'il y a un petit oscillateur pour la fréquence de fonctionnement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais il me semblait qu'elle était mal émulée, justement, la CDI. C'est pour ça que ça valait le coup d'en avoir une. Je me trompe peut-être, mais... longtemps que j'ai pas regardé l'émulation, vous savez, moi ça m'intéresse pas de ouf. Donc on va venir enlever ça. Souvent on les remet sur socket après. Je dis que mon PCB il est mal fait parce que j'ai inversé la polarité. Donc quand tu le sais, ça va. Moi je le sais. Alors pour ce qui est de cette puce, vous devez peut-être vous dire, mais attends, ça doit exister en remplacement. Ça coûte 30 balles, je crois, la puce de remplacement. Donc, autant vous dire, trouver des alternatives, c'est bien. Je vais juste faire la machine. Ah bah. Bizarrement, ça m'étonne pas venant de toi. Comme c'était toi ou Arnaud Taku qui me dit ça, ou MO5, ça m'aurait zéro étonné. On est d'accord, jouer sur la vraie machine, c'est quand même plus sympa. Bien entendu, sinon ça serait trop beau. Les piles, la tension n'est pas accessible par l'extérieur, par les différents pins du PCB, et donc forcément, on peut rien faire. Et on l'a déjà fait, le PCB, on l'a utilisé deux fois, je crois. Une ou deux fois. Une dans ma 350 portable. Et une dans une autre CDU, je ne sais plus laquelle. On l'a fait plusieurs fois, normalement. Et puis les jeux Zelda. Ah bah les jeux Zelda, c'est juste intouchable. C'est juste intouchable. Ça sert à rien les jeux Zelda. Là, je vérifie que tous mes pins sont bien désolidarisés. Ça a l'air pas trop trop mal. De ce côté-là, du moins. Si je fais ça. Problème, c'est que ça a l'air d'être bien accroché ici aussi.
comme d'hab. Et Hôtel Mario. Hôtel Mario coûte cher. Salut Clotilde. J'essaie vraiment de bien les désolidariser. Toujours un peu chiant et un peu long à faire. Mais au moins, ça évite de sortir l'air chaud et de venir chauffer l'ensemble du PCB qui n'a rien demandé. Visiblement, lui, ce côté-là, voilà, ça c'est défait. Le côté gauche aussi, visiblement. Voilà. C'est ça que c'est propre. Ah, c'est ça, en fait, hein. C'est ça, en fait. C'est le même que les autres, sauf qu'ils ont rajouté un capot par-dessus. En gros, c'est ça. Impeccable. Bon, pas, tu tapes la commande setup et elle est dedans. Elle est dedans, elle est dedans. Bon, bah, je crois que c'est le moment. C'est le moment où on va jouer de la Dremel. Donc ça, je le mets de côté. Ok. Et on va venir jouer de la Dremel. Alors, on va faire un peu de rangement. C'est le bordel. Mais oui, elle est folle, cette pompe à dessouder. Je la conseille à quiconque veut une pompe à dessouder. Enfin, vraiment, c'est la qualité est folle, elle marche vraiment très 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 bien. Et ah oui, je la conseille à n'importe qui. Vu une pompe à dessouder. Hein. J'écarte un peu tout. Hop, hop. Tout ce qui peut être problématique. On fait attention, on n'a pas envie de péter. On connaît les RJ45. La petite languette un poil fragile. Ça, on le met au sol. Tu l'as dans tes refs. Ouais, quand tu tapes la commande setup, tu l'as normalement. Tu l'avais mise en tout cas. En plus, j'ai déjà un disque de Dremel de fixer dessus. C'est parfait. Hop. Mais oui, hein, vous avez vu à quel point elle dessoude tout ça de manière hyper, hyper aisée. Le lien est dispo. Hein. Hop, le mini. Répond bien, mais sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Qui fait cette puce on peut pas changer la pile. Oui, c'est une ST. Tout à fait. On ne serre pas trop fort. La Dremel offerte par le bon FF Sisman. Et ouais, on est bien vu dans le milieu. On va
Hop. S'il te plaît, éteindre et t'allumer. Voilà. Pourquoi tu tournes toute seule? Qualité suisse. Tac. C'est ça que je devais faire. Et on y va. J'aimerais bien savoir à quel moment. À quel endroit je suis en haut et à quel endroit je suis en bas. On va y aller petit à petit. Comme ça, j'aurai à peu près la hauteur de où découper. J'arrive pas trop à me rendre compte. Okay. La blanchisserie où j'ai bossé il y a 15 jours m'a demandé si jeudi, vendredi j'étais dispo et si oui, j'ai dit oui. Et là, ma tante dit qui travaille m'a appelé pour me demander si je pouvais accepter me faire plus de dollars en porte-monnaie. Bah, c'est cool ça, un pot de table comme ça. Dédicace à mes collègues de STMicro, on pense fort, bien sûr. Juste à côté de chez ST, ils sont de l'autre côté de la rue. C'est marrant ça. Donc là, on accède à la partie sup. La partie supérieure. Hop. Essayer d'enlever. En fait, il faudrait que j'arrive à enlever un côté. The beer is me. Comme ça, après, on a les côtes.
c'est qu'en fait, c'est vraiment une boîte en plastique sur une double puce, si je ne m'abuse. J'aimerais bien le voir de mes yeux pour m'en rendre compte. Ça, on peut l'enlever aussi. Ah non, les bâtards, ils ont fait un vrai truc. Ah les bâtards. C'est pas la même chose que les autres. De ce que je vois. Tout est résiné en fait. Be with me. Après, c'est tout en résiné. Donc, on va venir gratter sur le dessus. On va au bon moment. Ah, bah, toi, ça, c'est su. Comment il va? Comment il va, le Joris? J'en fous partout. C'est bien, j'ai passé l'aspi hier. J'aurais essayé d'y avoir une CDI. Étonnant. Je vais ouvrir la fenêtre. Enfin, une support de stream. Oh, trop bien! J'en ai absolument partout. Ça pue la mort, parce que c'est de la résine, je crois. Et pas terrible.
Ok. Et je pense que j'en ai foutu absolument partout. J'en vois sur mon, sur mes objectifs. Forcément, faire de la découpe à l'intérieur, c'est une mauvaise idée. Voilà, bon, ce que j'aimerais savoir, c'est comment je vais faire. Donc sur celle-ci, en gros, c'est chiant. Il y a vraiment un gros souci. Il y a un gros taf de taille, en fait. Mais du coup, tu vois, j'ai été surpris tout à l'heure. J'ai acheté des 470 et il y en a une des deux qui a la carte de décodage. Donc là, on voit bien la pile qui est dedans. On voit bien la pile qui est dedans, qui est ici. Et donc, c'est elle qui est morte et qu'il faut venir remplacer. Et de l'autre côté, en fait, on a un espèce de piezo. Enfin, pas un piezo, un oscillateur qu'il va falloir aussi qu'on remplace. Mais sauf qu'en fait, sur les autres versions, ici, tu as juste, en gros, tu as une partie basse qui est la partie mémoire et tu as une partie supérieure avec justement, une pile et juste l'oscillateur. La partie supérieure, elle sert que à ça. Et du coup, bah là, on se trouve embêté. Il n'est pas intégré. Non. Tu dois découper le truc en deux pour avoir accès à la pile. Ouais. C'est le problème de tous les CDI qui ont des timekeepers. Et tous les CDI ont des timekeepers. Forcément, ça en fout partout. Et c'est après sa 361 qui lui a pris la tête. Comment ça va? T'as réussi alors? Comment c'était quoi le problème? Rebelle, soit acheter la pièce à 30 balles, c'est ça. Et encore, c'est dur à trouver. Mais sur les autres, c'est plus simple. Là j'avoue, c'est un chantier. Hein. Sur celle-ci, c'est un chantier. Comment je vais faire comme ça? Est-ce qu'il y a autre avis si je le tente avec l'aspirateur? Ah ben c'est ça, Cinder. C'est ça, c'est Dallas. Enfin c'est Dallas, c'est le même principe que les Dallas.
Bon alors déjà avec l'aspirateur c'est quand même plus propre, ça c'est cool. Bon désolé, vous voyez pas grand-chose, vous entendez pas grand-chose, je vous parle même pas, je vous dis même pas ce que je fais, mais en gros là j'essaye de faire au mieux pour tailler et essayer de trouver la délimitation. Donc là on a le plus qui est en haut, donc le plus qui sera à gauche. Le plus est à gauche et le moins est à droite. On voit, on a les deux petits pics qui sont là. Et donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est la découper pour accéder là où il faut, en fait. Vraiment pour accéder là où il faut. Pareil ici, j'ai mon piezo qui va être là. Et enlever toute la partie supérieure. Est-ce que la pile, je peux déjà l'enlever là ou pas? Ça me permettrait de m'aider pas mal, ça, de pouvoir enlever la pile. En fait, ils ont tout coulé dans une espèce de résine. Ça a l'air méga technique. Ah bah là, ça l'est, hein. Comment il va, émule-moi? Ah, très clairement, ça l'est, hein. On est sur un chantier. Mais non, c'est le moins en plus, là. Oh là là. C'est ici en bossant. Ah bah, content alors. Content que ça plaise. On va continuer. Je vais tailler tout autour de la pile pour pouvoir en fait l'extraire et ça me permettra de voir comment je peux couper. Ah, et toi, c'était une bosse. Bah, bien joué. Ah, tu as dit quoi, attends? Pas les résistances, c'était un petit condo SMD à côté de GPU qui me semblait bizarre. Impeccable. J'ai récupéré le même condo sur une carte mère de 360S. J'avais mes soucis à la place. Pour ça que ça allume, j'ai laissé tourner un jeu dessus depuis 45 minutes. Et bah bien joué à toi. C'est bon. Une belle réparation qui fait plaisir, ça. Thank you.
Hop. Mais tu me piles sur 1.32, hein, Philips, j'avoue. Ça tire directement à balles réelles. Hein. Voilà. Voilà. Et là, on enlève la petite pile. Et c'est là qu'on voit qu'elle est posée sur une autre puce directement. Aussi des tonnes de consoles. Ah, courage, Arcadia. Courage. Alors, on est d'accord que sur les piles. Donc on va le faire tout de suite parce que je sens que sinon je vais l'oublier. Sur les petites piles de ces morts que celle-ci. Mais du coup, c'est un timekeeper, ce qu'on est en train d'enlever, pour ceux qui se demandent. Le plus, qu'il est sur la face plate, donc en bas. Et le moins, il est de l'autre côté. Ok. Petite photo. Et on va jouer du. Hop, comme ceci. Comme cela. Je vais juste prendre un petit coton-tige, un petit peu d'alcool. Oh, j'ai perdu. J'ai des acouphènes, moi, dans cette histoire. À jouer de la Dremel. Pour savoir qui va où. On a du coup. Donc, on prend la photale, éditer, créatif, le stylo en rouge, plus, moins, c'est pas mal, moins. Plus. Hop, comme ça on se trompera pas. Le couler la résine ensuite. Oh, sûrement pas. Sûrement pas. Nous on fait un truc qui est réparable après. C'est notre but dans la vie. Ok. Ça c'est très très cool. Mais on voit hein, que c'est quand même la merde hein, ce qu'ils nous ont fait. Là par contre, c'est pas cool. Est électronique. C'est pas cool. Ah non, je peux pas. Je suis obligé de continuer de découper. Je suis obligé de découper. Alors, par contre, ce qui serait cool, c'est de mesurer là tout de suite afin de savoir à l'aide d'un petit pied à coulisses. Hop. Genre, si je me mets là. On est sur un bon 1, 2. 3, 4, 4 mm d'épaisseur. Je vais l'écrire sur ma petite image. 4 mm. Point. Garder une copie. Waouh, le beau dessin. Et non, on va pas recouler des résines parce que justement on veut que ce soit potentiellement réparable. J'ai un peu découpé mon. Et donc là, on va faire une entaille à 4 mm tout du long, tout autour. Donc on va réallumer l'aspirateur. Réallumer la Dremel.
Ok, c'est dur à croire que c'est réparable. Je comprends, je comprends. Je comprends qu'on ait des doutes. Alors, maintenant que j'ai fait une découpe tout autour, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen. Oh, j'ai perdu mon écran là-bas. D'accord. Plus au niveau de leur pile, ce n'est pas de 10 ans. Je crois que la durée de vie, elle était costaud quand même. La durée de vie, elle était costaud là-dessus. Hein. J'aurais bien aimé que ce soit décollable. Ce qui a l'air d'être le cas. Cool, cool, cool. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les deux papattes sur le côté là. Et on aura tout fait. Mais ouais, c'est bien compliqué pour changer une pile, je suis d'accord. Sur l'autre version, c'est bien plus simple. Sur la version, on va dire, la plus répandue, pas celle-ci. C'est bien, bien, bien plus simple. Mais c'est juste que là, effectivement, c'est quoi comme pile là-dedans? C'est du 3 volts. C'est du 3 volts, si je dis pas de bêtises. Alors... Donc effectivement, tu peux te poser la question de est-ce que ça va remarcher un jour ce bordel? L'autre, il n'y a pas de résine, non. L'autre, c'est vraiment juste un truc qui est collé sur le dessus et résiné là.
et là. Donc tu viens avec ta Dremel couper ici et là, tu enlèves le capot et tu remets ton nouveau. C'est bien plus simple sur l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On ne peut pas avoir tout le temps la version qui va bien. Et ça, c'est le problème qu'il y a du coup sur les CDI, mais il y a aussi des micro-ordinateurs qui avaient ce souci-là, hein, qui ont ce genre de puces et qui ont du coup ce souci-là, avec notamment, effectivement, tout à l'heure on en parlait, les puces Dallas. Et ouais. Et donc là, on peut voir que j'ai mis bien à dispo les petites papoutes pour venir faire nos soudures. Ok. La prime place même 57 euros, ça douille. Bah ouais, bah oui, hein, forcément. Alors après, tu vois, bah alors, moi je vais faire différemment. Tu vas voir comment je vais faire. Mais il y en a, tu te prends pas la tête, hein. Si vraiment tu as envie de le faire toi demain de ton côté. Tu vois, de base, il y avait juste la résine. Tu viens avec ta Dremel, hop, tu coupes ici jusqu'à 4 mm. Tu coupes sur le côté 4 mm, hop, t'enlèves juste la batterie. Ici, tu as les deux picots, hop, tu récupères, tu soudes tes deux filets, on est bon. Tu peux même faire, moi c'est comme ça que j'avais fait, tu laisses ta pile à l'intérieur, tu viens couper ici à la Dremel, récupérer le plus et le moins, hop, tu te refixes dessus, et fin de l'histoire. T'as pas besoin de te prendre la tête non plus en 7 ans. Et du coup, bon, bah, l'ancienne pile qui est là, hop, tout ça. C'est belle boue. Ça, on le pose là. Voilà, attendez. Voilà. On va ranger la Dremel parce qu'on n'en a plus besoin. Ça va pour la puce mémoire. En gros, c'est la puce de sauvegarde. Donc en gros, ça sauvegarde l'heure, mais ça sauvegarde aussi ton jeu. Et là, c'est chiant. Du coup. Parce que si c'était que l'heure, tu t'en fous. Tu vois, comme un BIOS et tout, tu la remets à zéro. À chaque fois que tu débranches, et c'est pas grave, tu vois, l'heure, elle est perdue et tu la resets. Mais ça, c'est uniquement quand tu la débranches. Mais là, c'est plus grave que ça, c'est que c'est aussi tes sauvegardes. Ça, c'est chiant. Et il n'y a pas de slot mémoire comme sur une Neo Geo, par exemple. Ce disque-là, il m'a servi à couper des étagères en métal. Je coupe tout avec et je ne l'ai jamais changé. Disque d'origine Dremel. Donc, je suis presque tenté de racheter des disques. Disque Dremel, malgré le prix que ça coûte 2 reins, voire 6 reins et demi. Ok. Alors, elle est là. Neo Geo, ça change la pile dedans. Carte mémoire Neo Geo. Il y a des piles dans les cartes mémoire Neo Geo. Je sais même pas moi. Où est-ce que j'ai mis tout ça? Je crois que c'est là-dedans. C'est pour là. Je crois que c'est l'eau. Est-ce que c'est l'eau? C'est pour là. Où est-ce que j'ai mis ce truc-là?
tiens, les masques. J'aurais peut-être dû les utiliser maintenant. Ça aurait peut-être servi à ce que j'y gagne un peu en espérance de vie. Tant pis. C'est pas grave. Ah, ils sont là. Ça, et ça, c'est quoi? Ça, on s'en fout. Ok, là-dessus. Je prends juste ça. On va attaquer la suite. Comment j'avais fait pour ranger là-dedans, ça? J'avais fait comme ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a là, ma bonne dame? Regarde ça, gamin. Hop là. Oh. Waouh. J'avais marché, les piles à l'époque avaient une durée de vie de 5 ans à peine, je crois. Ah ouais, ça se change. Je savais même pas qu'il y avait des piles dans les slots Neo Geo. Déjà, tu m'en apprends une bien bonne. Ça, ça, ça. On va prendre un piezo et on va prendre un petit comme ceci. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est Made in Cabri. C'est si beau. Ah bah, attends, on essaye. C'est un petit PCB, voyez-vous, ici présent, qui vient se placer juste au-dessus de notre petite puce. Voilà. On n'a pas pris trop de coups de Dremel. Normalement, non. Tu vois, les puces mémoire, comment c'est fait à l'intérieur? Je crois qu'en plus, j'ai une photo de ce truc-là. Mais en gros, les puces mémoire, c'est plein de pattes. Et en gros, le truc intéressant, il est au centre, là. Donc en gros, on va dire que tu as quand même une marge de manœuvre quand tu viens découper. Donc non. Là, on va dire, là, tu vois, j'ai été dans la... Tranquille. Et donc, on a deux versions disponibles. Enfin, on a deux possibilités de faire. Il y a de la poussière partout, excusez-moi. Bon, vas-y, dis ça. Hop. Tout est emmêlé là-dedans. Tout est emmêlé là-dedans. Ok. Ça pique les yeux, ça pique les yeux, effectivement. Effectivement. Et donc ça, c'est des PCB qui viennent de chez JLC PCB, je les ai même pas. Donc c'est moi que je les ai faits, avec l'aide du Discord, faut pas déconner non plus, je suis pas un génie. Et ils nous viennent de chez JLC PCB, partenaire de la chaîne aussi. Et oui, qui l'eût cru. Qui l'eût cru, qui nous font confiance. Et donc s'il y en a qui veulent commander des PCB de bonne facture, JLCPCB, vous pouvez utiliser le lien. Hop, donc là je viens nettoyer, je viens ébavurer pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que des bangers les partenaires, bien sûr. Et du coup, ils m'avaient gentiment offert ma première commande et mon premier PCB maison. C'est beau quand même. J'ai bavuré un petit peu parce que je t'ai pas demandé ça les bavurages. Tu peux demander le supplément pour que ça vienne ébavurer, qu'il vienne ébavurer ton bordel. Je remets, c'est beau ça, merci. Merci Hendrik. Et on va venir poser ça. Donc j'ai deux versions, j'ai dit, donc une CMS et une non CMS. On récupère ça. Alors attends. Il est où le cucu et où la tête? Ça, c'est la partie batterie. C'est là où je me suis un peu énervé, si je dis pas de bêtises. Hein, quoique.
Et c'est là que tu commences à avoir des doutes. Parce que du coup, il y a un sens. Et malheureusement, j'ai pas pris en photo en dessous. C'est là où ça se complique. Mais complètement bonjour en fait, mais complètement bonjour Hendry. Kalios, pardon, excuse-moi. Comment il va le Kalios? Pour jouer avec une manette de SNES, tu es le réparateur à faire le plus impliqué dans la série. C'est lui qui a peut-être. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais ouais, effectivement, on a un peu contribué. Ah oui, donc ça, c'est le côté piezo. Parce qu'effectivement, je l'ai pas trop. C'est lui que j'ai un petit peu attaqué vénère. C'est ce côté-là qu'on a attaqué sale. Avec la Dremel, justement, on est venu là et tout. Là, on est venu là et après, chut, on a soulevé. Ok, donc là, c'est la partie batterie. Batterie. Et non pas batterie, donc ça vient comme ça. Notre petit PCB des familles. Et donc. Si je m'assouviens bien, ouais, c'est ça. En fait, mon premier PCB, je me suis trompé. Mon premier PCB, je me suis trompé. C'est-à-dire que, regardez, le plus est à gauche et le moins est à droite. Alors qu'en fait, le plus est à droite et le moins est à gauche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que quand tu prends le petit PCB qui est là, donc pareil, le plus est en haut et le moins est en dessous. Et bah plutôt que de le mettre comme ça, et bah c'est pas grave, on le met comme ça. On le met comme ça vient inverser le bordel et on est bon. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est tout. Et donc là, on peut poser notre support de pile. Donc là, j'ai pris la version slim pour que ça rentre dans la console. Parce que le problème, c'est que ça peut ne pas rentrer dans la console. Et donc comme ça, on le met comme ça. Et on est pas mal. Donc on a bien dit. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le plus est en bas, c'est ça. Donc le plus est inversé. C'est bon, on est bon. Et sur le même PCB, tu peux faire les deux. Tu peux faire CMS et traversant. Au choix. Ouais, je le rends gratos, ce PCB, en vrai. Ouais, je le rends accessible pour qui le veut. S'il y en a qui veulent se les faire. Ça sert à rien, j'arriverai jamais à me lancer dans un business au point de réussir à faire des PCB. Enfin, au point de vendre des PCB, donc tant qu'à faire, autant que ça serve à des gens. Et ça, la première fois, ça avait pris du temps. Tu as corrigé dans la V2. Je crois que je l'ai corrigé dans mes fichiers, mais j'en ai jamais refait faire. Déjà, j'utilise tout cela, tout ce stock-là. Mais oui, si je le mets à dispo, je réinverserai, tu vois. Hop là. Hop là, hop. Impeccable. Where is my cotton tigo? Comment il va le Kalios? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le bon Kalios. Hop, petit nettoyage. J'aurais peut-être dû poser le piezo en premier. C'est pas trop mignon ce petit logo Cabri DIY là. Oh là là, c'est beau. Et donc après, bien sûr, on viendra mettre la pile. On teste avec nos polarités que le plus est bien là-bas et le moins est bien là. Et comme ça, on le pose. On est yimbe, on est jombe. Toi-même, tu sais. Bien sûr, dédicace à Kalios, on n'hésite pas à aller le suivre sur sa chaîne Twitch, qui fait des lives notamment sur du rétro gaming des années 90 avec un overlay des plus. Un stream des plus jolis en fait. Enfin, il n'y a pas à dire, hein. Le Twitch Game, on a des artistes et il a un Twitch qui est absolument magnifique. Si vous aimez les années 90, je vous invite à aller le voir. Ça parle de séries, ça parle d'animés, ça parle de jeux vidéo d'époque, vraiment, c'est le top du top. On n'hésite pas à aller y faire un tour. C'est sans fin, c'est sans fin. On y prend vite goût et on se lâche pas. Donc n'hésitez pas.
vous avez comment s'appelle le bouton juste en haut du chat pour le faire. C'est gratuit et ça soutient fort les copains. On n'oublie pas. Donc moi je fais pas ça à l'air chaud. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poser ça. Est-ce que je vous zoome? Je vous zoome un peu. Je me focus un peu plus. Voilà. Peut-être faudrait que je me mette comme ça. Ça sera pas pratique pour moi, mais au moins vous, vous le verrez bien. Alors attends, c'est un vrai tatouage ou c'est un faux tatouage? C'est un faux tatouage, on est d'accord. C'est un truc éphémère ou c'est un vrai? J'arrive pas à me rendre compte sur la photo. Et j'ai pensé à toi ce matin en allant sur Vinted. Il y avait un t-shirt avec exactement les mêmes motifs. Je me suis dit, mais non. Coïncidence, je ne pense pas. Après, ça a duré 6 heures. Mais non! Ah ouais, t'es un ouf! Bah bien, wesh. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. J'aime beaucoup la gueule qu'il a. Hein. Ah ouais, mais ça va, t'as pas trop douillé? Tel David. David Douillet, vous avez la ref. Je tente un trix de souder par le dessous. Gabriel, iront se tatouer dans le dos bientôt. Sur le poignet, ouais. Pas dans le dos. Ce sera pas l'aéron, ça sera le levier de vitesse. Enfin, en tout cas, ça sera fait cette année. En tout cas, bien joué pour ce tatouage. J'espère que t'as pas trop douillé. J'entends que dehors, ça regarde des Pirates des Caraïbes, visiblement. Super. Super. Alors, est-ce que c'est réellement soudé? J'ai envie de dire que oui. Toujours un peu peur que non. Et du coude et du poignet. Mama. Mama. Je connais qu'il a douillé. En tout cas, il est stylé. Hein. Il est vraiment stylé, bien, ouais, Jean. C'est trop dur de se décider, je trouve, pour un tatouage. Je pense que c'est le premier, surtout. Vas-y, je crois que je vais mettre un coup d'air chaud pour être sûr de mon coup. Que pour le coup, l'oscillateur, tu peux pas trop le vérifier. La pile, tu peux la vérifier. Et de toute façon, on n'a pas besoin de la vérifier, on sait que c'est bon. Très joli, bien coloré. Ah oui, hein. Ah oui. Hein. Un peu d'air chaud. Un peu de flux.
On prend la petite pince, le petit air chaud. Impeccable. Impeccable. On touche à rien. J'avais peur que le support de pile fonde, mais pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça aurait pu être mon téléphone qui fonde. Bienvenue à toi, Sanctuary Lizard. Merci pour ton follow. Bienvenue. Ça fait plaisir d'avoir des follows sur de la CDI quand même. Enfin, sur ce deux genres de choses en tout cas. Un peu pointu. Eh ben impeccable ça. Ça devrait pas bouger. Ça ne devrait pas bouger. Ok. Donc maintenant, si je prends une pile. Alors j'avais acheté des piles Sony, des CR2032. Mais en fait, je me suis rendu compte que les piles Sony de AliExpress, visiblement, c'est des contrefaçons. Et donc, c'est de la merde. Donc, j'ai acheté des piles Murata de chez. Alors, attends, avant de la mettre, on va faire un petit truc quand même. On prend le multimètre, on dézoome, on se met en mode continuité et on s'assure qu'on n'est pas fait à un pont. Attention. Ok, à papon. Impeccable. On met notre pile dans le bon sens. Ce repos. Voilà. Et donc là, je me mets en voltmètre. Et on a bien moins 3,2 volts. C'est cool. Mais si j'inverse... On a bien moins 3,2 volts. Donc c'est cool. Enfin, on a 3,2 volts plutôt. C'est-à-dire que la polarité, elle est bien inversée. Et on va pouvoir l'installer directement sur notre petit PCB. Mais avant ça, on va enlever la pile. Parce qu'on ne soude pas avec la pile en place. Sous peine de décès de pile. Bah ouais. Ouais. Oh merde, ça s'enlève pas. Attends, elle est en place, elle est en place, hein. Elle va pas bouger, moi je te le dis. Ok. Donc ça, on le met dans le bon sens, c'est-à-dire là où j'ai absolument tout arraché, c'est ici. Donc ça vient comme ça. Impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit multimètre. On va... le petit multimètre, pas du tout. Le petit fer à souder. Et on va venir étamer un petit peu tout ça. Donc sur le côté... Ici, on met de l'étain. Ici, également, pour avoir un gros plus et un gros moins bien costaud. Ici aussi. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Sur notre PCB, on va faire de même pour avoir de l'étain et une facilité d'installation cool. Voilà. Voilà.
C'est quand même fou de se dire que c'est mon PCB, quoi. Je trouve ça dingue. C'est moi que je l'ai fait. C'est mon mien. On va prendre un ch'tiopeu de double face. J'ai même mis tout ce qui va bien en dessous. Le cristal. La pile qui va bien. C'est vraiment 32,3 volts. Et Timekeeper, batterie and crystal replacement. Ici, on a avant tout bilingue. Et il y a écrit, bien sûr, le by twitch.tv/cabridiiwi. C'est bon. Tac. On va éteindre ça, on va prendre ça et on va mettre juste un petit coup d'alcool ISO ici et l'eau pour être sûr que c'est tout beau, que c'est tout propre. Et ouais, sur les autres CDI, on le verra sur la 210 quand on le fera. C'est pas tout de suite, mais c'est bien plus simple. Hein. Donc, batterie, c'est bel et bien ici, c'est ça. C'est là où on a un peu tout massacré. Et donc là, le but étant de le centrer un petit peu bien comme il faut. Voilà. On appuie bien dessus. Pour qu'il soit bien collé. Et voilà, notre PCB est posé. Il n'y a plus qu'à relier les petits fils ici. Et l'eau. Impeccable. C'est cool. Ça avance. Ça avance, ça avance. C'est propre. Bon, on essaye. Hein. On essaye, on essaye. Hop, je revanche tout là-dedans. Alors, on prend le temps. Ça prend du temps. Mais normalement, à la fin, ça a le mérite de fonctionner de manière plutôt propre. Je vais utiliser mon petit fil à moi. Hop. Quoique en vrai, je suis même en train de réfléchir. Mais en fait, non. On va clairement utiliser de la pâte de condensateur juste ici. Alors, est-ce que ça tient debout ou est-ce qu'il faut que je l'accroche? Il va falloir que je t'accroche. Allez, pour une fois. Des chiens tombés sur l'écran. Oh non, j'ai éteint. Il me faut ma troisième main. Tac. Et donc là, la difficulté, c'est de venir tout fixer sans encombre. Comme ceci. On recommence de l'autre côté.
Impeccable. Ça, c'est cool. Je mettrai bien un petit coup de flux quand même. Avant de tout remballer. Histoire qu'il y ait de la belle soudure. Bienvenue à toi, Yumito. Merci pour ton follow. Bienvenue. C'est fou qu'on ait des follow là-dessus. Juste vérifier que nos soudures sont bien en contact. En bas, j'ai des doutes. En bas, j'ai des doutes, mais vous allez voir le regret instantané qui va se passer. Alors, attends, on va essayer de faire ça intelligemment. Je vais mettre du flux là. De l'étain sur ma panne. Et je vais venir tenir ceci. On veut une belle soudure, mais aussi qu'elle soit solide. C'est important. Et comme vous pouvez le voir, on a des soudures qui m'ont l'air solides et bien brillantes. Souvent ça va de pair. Impeccable. On fait la même chose de l'autre côté. Et on n'a plus qu'à tout remonter. En plus de ça, on a recyclé les papates de condensateur. Et ça fait toujours plaisir de recycler des papates de condensateur. Alors cette fois-ci, je préchote, je mets du flux. Impeccable. Alors pareil, c'est pas parce qu'il y a une pâte, il y a une pile plutôt, que tu as besoin d'avoir une section de 15 mm carrés. Non, hein, c'est très peu. Ça consomme très peu comme machine. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou dingue. Et là, normalement, qu'on est bon. Normalement, on est pas mal. Avec des belles soudures bien brillantes. Notre petit PCB qui est posé sur le dessus. Bien vu, bien vu, bien vu. Comment il va le lot de mots? Alors, on vient revérifier qu'on n'a pas fait de pont, qu'on n'a pas fait de bêtises. On prend ça. Si je me mets là. Ça ne bip pas des deux côtés, ça c'est le moins, et on a dit
Il va. Bah si, il va. Et le mont est à gauche. Impeccable. Le plus. Impeccable. De l'autre côté, du coup, si je fais ça, ça bip. Et là, ça bip. Et il n'y a pas de pont. Impeccable, c'est flou. Hop. Et là, c'est plus flou. Royal au bar. Alors, je remets pas ma pile maintenant. Enfin, si je peux remettre ma pile maintenant pour voir un petit peu comment ça va réagir. Donc là, il faut faire attention. C'est que on est sur un composant qui, du coup, n'est pas protégé. Si tu mets ta pile à l'envers, tu te trompes. Je pense que tu peux la cramer. Donc, tu te trompes pas. Tu mets bien le moins là où il faut. Genre, hop, comme ceci et comme cela. Et là, comme ça, tu te trompes pas. Parce que du coup, je pense que tu peux vraiment flinguer la bait. Et voilà. Et c'est un bel objet. J'en suis assez fier de ce truc-là. Il y a un vieux whelp. Sur les photos, c'est pas joli d'avoir des whelps. Impeccable. Il n'y a pas une petite diode à l'intérieur, je pense pas, non. Je pense pas qu'il y ait une petite diode. Hein. Ils ont pas prévu, en fait, ils ont pas prévu le fait que ce soit remplaçable, ce genre de choses. Donc autant te dire que niveau diode, ils en avaient absolument rien à carrer. Hop, ça, je le range là. Impeccable. On va pouvoir récupérer le cœur de la maison, la carte mère. Tac, ce fil là, je le mets là-bas et on va venir bah, tout réinstaller et croiser les doigts pour que ça fonctionne. Hop, qu'on n'ait pas fait tout ça, qu'on n'ait pas passé presque 2 heures. Mais là, c'est parce que c'était la première. Tranquille. C'était la première. Avec ce type de PCB, je veux dire. Ça, on le laisse là, ça tac 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 que tac. Impeccable. Les commentaires YouTube arrivent. Et ouais. Première avec la résine, c'est ça. Alors, la Motherboard Just Here. Non mais c'est fini. Je crois les commentaires YouTube désobligeants, ça fait longtemps en vrai. J'ai une étiquette qui s'est envolée par-delà la fenêtre et qui s'est posée sur mon rebord. À votre avis, vais-je avoir le temps de la récupérer? Comment, little boy? Ouais, je l'ai attrapé. Certes, je pense à pas grand-chose, mais on l'a rattrapé. Est-ce que c'est pas tout ce qui compte? Alors. Du coup, dans quel sens ça va aller? Parce que si je m'écoute, le 1, il va là, et du coup, le 28 va en face, mais le 1, il commence bien là. Mais c'est juste que le 28 va en face, il va pas là. C'est ça aussi que je m'étais trompé sur le PCB, au niveau du marquage. Le mec s'est trompé sur absolument tout, hein. Hop, donc ça irait poser là-dessus. Ok, et on va juste faire un test sur est-ce que ça se referme parfaitement dans notre capot. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a juste le blindage à venir reclipser par-dessus. Donc, genre, mettons. Je remets tout en place. Comme ça, comme ça. Et je remets ça.
Et là, le drame, c'est trop, c'est possible. C'est clairement possible. Donc on mettra pas de socket. C'est pile poil. Et je peux pas mettre de socket. Je vous montre. Je pense que ça touche à peine. On mettra un capton sur le dessus parce qu'on n'est pas fou. Mais genre... Tu peux pas plus, tu vois là. Tu peux pas plus, hein. On mettra un Captain Tape. On mettra un Captain Tape. Ok, lundi. On enlève la pilasse. Ça me dit dans les clics. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'on va mettre. Alors, par contre, maintenant, il faut que je trouve dans quel sens que ça va, ce bordel. Allez, allez, little boy. Voilà. Normalement, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, le petit 1, il est là. Parce que là, je vais avoir aucun moyen, comme j'ai plus du tout le capot supérieur. Donc là, c'est écrit comme ça, si je le mets là. Et si je prends mon smartphone. Tu fais quoi comme étude? Tu peux taper la commande CV si tu veux. Mais globalement, j'ai fait des études. J'ai perdu mes lunettes. J'avoue. J'ai fait des études de développeur. Site internet, applicatif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça correspond bien. C'est bien comme ça. Une 48T, quand tu regardes. C'est dans ce sens-là. C'est écrit dans mon côté. On est bon. Attends. Ah bah non. Attends. Je sais pas. C'est là que ça va se compliquer. Et le drame. Il faut le mettre dans le bon sens, ça. Ça, faut pas se tromper. Sauf qu'on a enlevé tous les détrompeurs possibles et imaginables sur cette machine. Que là, si j'en suis mon PCB, si j'ai confiance en ce que j'ai fait, la pile était à droite. Comment tu sais du coup? Attends. J'ai la chance d'avoir une VOD. Si je ne me trompe pas. Ok, on a la chance d'avoir une VOD. De faire ça en live. Je vais boire de l'eau parce que j'ai l'impression d'avoir plein de... De... Comment ça s'appelle? De ce que j'ai coupé tout à l'heure, de résine sur les dents. Sur les lèvres. On a la chance d'avoir une VOD. Vidéo. Tac. Et étant moi-même abonné à ma chaîne, forcément. Regardons la VOD. Salut, ça c'est moi. En 4 tiers. Et là, je suis en 16-9. C'est bon? Ça, c'est moi. Juste avant que je découpe la Dremel. Comment j'aurais dû tellement sortir l'aspirateur direct. Ça, on s'en fout. C'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Comment il est beau, le monsieur? Ah la vache, hein, je sais pas qui c'est, mais dis donc, vous avez de la chance de pouvoir le regarder. Hein. Loulou, hein. Ok. Comme ça. Mais je crois que je vais l'enlever, je vais le remettre, je vais l'enlever, je vais le remettre. Ouais, tu vois, je l'enlève, je le remets et je sais pas où j'en suis dans la vie. À moins que, attends. Attends, attends. Parce que du coup, j'ai fait un marquage. Et oui. Voilà. Ça.
Dremel, 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 Dremel. Ah non, mais je reviens en arrière. Je me disais aussi. Ok. Et là, normalement, il y a un marquage au centre. Ok. Je reviens juste avant. Photo. Merci la barre. Ah ben, merci la barre. Donc là, on est droit. La petite partie est à gauche, la grosse partie est à droite. Mais du coup, la batterie sera de quel côté? Suspense. Et là, on y va. Et donc, la batterie est du côté droit. Du côté le plus fin. Ok. Ok, ok. La batterie est du côté le plus fin. Et donc, normalement, je ne me trompe pas. Et hey, j'ai bien fait mon PCB. C'est beau. Le 1 est bien le 1. Mais le 28, il n'est pas en bas, il est censé être en haut. Au lieu d'inverse. Ok. Donc, je me trompe pas. Hein. C'est bien ça. Hein. Ça, c'est droit. Et donc... C'est ça. La batterie est du côté batterie. Et du côté là où il y a écrit batterie. Petit moyen mnémotechnique. Bon bah écoute, on ressoude, on y va. Donc on le plaque bien. On va prendre le fer à soude, on va prendre l'étain. Et on y va. Cool, ça fonctionne. Donc j'ai bien suivi. Tu as bien suivi. Bien joué. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est souder une... Ah bah 28 il est là. Attends. 1 il est là. 1. Oh là là! J'ai bien réussi à faire mon PCB. Le 1 qui est de ce côté-là, et bien sur le 1 en bas ici, et bien sur le 1 ici. Pourquoi je suis étonné, je sais pas. Quand j'arrive à bien faire les choses, en fait, ça m'étonne. Je pense que c'est ça. Je devrais me faire un peu plus confiance. Donc, je soude une première papate. Je soude une deuxième papate dans un coin. Je viens appuyer sur le PCB en dessous pour bien le plaquer le plus possible, étant donné qu'on n'a pas de place. Je fais ça aux quatre coins et ensuite on fait tous les autres. Impeccable. Et là on est bon. Et là on vient faire tous les autres. Toujours pas de ventilation. Donc on fait de l'apnée. Et tu soudes les 28 papates. Parce que ouais, il y en a 28. Je baisse un peu la température, j'étais un peu élevé. C'est pas bien méchant, on reste pas longtemps, tu vois. Et salut à ceux qui arrivent. Tac. Et ensuite on va pouvoir tester. Hein. En espérant qu'elle ne prenne pas feu, en espérant qu'elle n'ait pas des soucis chelous. Et en espérant qu'elle sauvegarde bien comme il faut. Je sais plus quel jeu me permet de sauvegarder quasi instantanément.
Un backup. Ok. Donc note à moi-même, quand je le ferai la prochaine fois, il faut que sous notre PCB, j'écrive le petit pin 1 et le petit pin 28. Ou ne serait-ce que le petit pin 1, tu vois, tu fais une marque pour le petit pin 1. Comme ça, tu sais que tu te trompes pas. Parce qu'après, sur ton PCB que tu rajoutes, tu as le petit pin 1 qui est déjà écrit. Et comme ça, tu te trompes pas. Parce que je dis... Les incendies comme FSIMAN et sur les SNES. Mais on va dire, je le suis déjà un peu. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais. Mais en vrai, la CDI, on en a vu pas mal, hein. Des qui n'existent pas. Hein. On a fait des raretés de ouf. Hein. On a réussi à chaque fois à faire repartir. Oh là là, c'est beau! Et mon premier mode, mon premier PCB. C'est quand même, du coup, une CDI. Et ça, c'est quand même plaisir. Donc pareil, on n'inverse pas. C'est bon. C'est bon, putain. J'ai envie de chialer. Ouais, j'ai envie de chialer. Photo. Moi, je suis assez fier, hein. J'avoue. J'avoue. Comme ça aussi, hein, en mode classique, voilà. Ok. Bon, bah maintenant que c'est installé, de toute façon, il n'y a plus qu'à tester, hein. Ok, on est bon. On a bien nos 3 volts. Bah écoutez, on va essayer, hein, on verra bien. Hein. Ça va être zoom. Je vais juste mettre un petit coup d'aspi là-dedans. Donc le tu peux tirer à toi. Ah bah là. Bah du coup, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que si je me suis pas trompé, évidemment, c'est que normalement. Quand la pile sera morte. T'as juste à démonter la console, tu changes ta pile, tu refermes, et on n'en parle plus, quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça fait plaisir. Bon, alors maintenant, c'est surtout, est-ce que j'ai tout fait? J'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait ça depuis le début. Hein. Ah, bah ça. Faut voir ça avec ST Electronics. Attendez. Est-ce qu'on est des gens sympas? En vrai, je le laisse juste comme ça. Hein.
Ça s'était collé genre comme ça. Ah, vous avez eu PAL 38 MHz, NTSC, autre chose. Là, on a dit Captain Tape. On prend le Captain Tape. Eh ben, j'ai passé l'aspi hier et je vais être bon pour le repasser aujourd'hui. C'est génial. Ça va que c'est pas moi qui le passe et que c'est un robot. Hop, un petit Captain Tape uniquement ici. Même s'il n'est pas obligatoire, hein. On va pas se mentir, là le Captain Tape il n'est pas forcément obligatoire. Par contre, du coup. Ici, j'en mettrais bien un aussi sur mon PC, sur mon shield. J'ai choisi cette solution. Il est vrai que c'est Philips, mais j'ai pas envie de leur mettre sur le dos parce qu'ils ont fait une super machine. Hop. Alors pourquoi j'en mets un ici? Parce que je pense à la personne qui va venir, qui va changer sa pile. Et qui va se dire, oh bah il y a un scotch mais il sert à rien, je l'enlève. Et bah au moins, même s'il l'enlève, c'est backup. C'est backupé. Et là, il n'y a normalement pas de soucis. Hop là. Ce sera toi. Ouais, ça se trouve, ce sera moi. Qui m'en occupera, je sais pas. Si le propriétaire est content de ma presta et veut me la reconfier dans 20 ans. Bon, attendez, on en profite. Oh, il y a des mirages qui passent. On rebranche la nappe du lecteur. On va reposer ça. Alors attends, comment c'était mis déjà? Ce bordel. Si je ne m'abuse, ça, ça allait en dessous. J'ai quand même l'impression que ça allait par là. Alors attends, comment ça marchait ça? Bonjour, bonjour. Bonjour. Les genres comme ça et ça les genres comme ça, ça allait là dedans. Ok, et nous dans un premier temps on a notre interrupteur qui est là et là on peut déjà la tester en fait, donc on va pas se prendre la tête et remonter plus que ça et on va tester tout de suite minimum 10 ans. Bah la pile normalement c'est une Murata donc c'est de la, ça devrait durer vraiment longtemps. Non, on n'est effectivement pas à l'abri d'un défaut, d'un problème. Tout est emmêlé dans mon compresseur. Comme ceci, comme cela. Ouah, je te pose là. Ok, maintenant c'est suspense. Et je fais évidemment pas de prédiction parce que j'ai déjà pas confiance. Enfin, je suis pas serein dans ce que. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je suis pas serein dans ce que j'ai fait parce qu'on a effectivement mis pas mal de coups de Dremel dans la puce mémoire. Donc il y a quand même des risques qu'elle ait pas survécu à l'opération. Forcément. Forcément, il faut que je redémarre. Attends, tac. Tac. Le PC qui se réveille, vas-y. Si je fais ça, c'est encore un écran noir. Salopard. Ok. Très bien. Ok. Eh ben on y va.
La LED s'allume, le lecteur a bougé, la console est encore vivante. Option. On va faire un truc time and date dans un premier temps. Et on est bien en... Oui, ça remonte beaucoup, hein. 2023, 02. Jean, ah bah non, 28 du coup. Non, pas 28. Ah si, 28. 28 février. Il est actuellement... Vous avez perdu ma caméra parce que j'ai un setup qui pue la merde. Ça me saoule. Tu débranches un truc, c'est tout le reste qui se débranche. Il est actuellement 15h35. On met day, month, year, on, exi. Donc là, ça veut dire qu'il a normalement sauvegardé. Si je reviens là, c'est encore présent. Exi. Exi. On éteint. La date est écrite en haut à droite. Vous êtes témoin. Non, attendez, juste une petite seconde que la caméra revienne. Voilà. Hop là. Vous êtes témoin. Tout est en haut. J'éteins. Je débranche ici et je débranche même la Péritel. Je rallume. Comme ça, ça décharge totalement la bête. Là, normalement, on est bien déchargé. Je rallume la vidéo. Je rebranche la vidéo, comme ceci, comme cela, et comme cela. Je réalimente ici, et je rallume là. Et maintenant, suspense. Est-ce que on va avoir la date écrite en haut à droite? Bien sûr qu'on va avoir la date écrite en haut à droite. Impeccable ça, impeccable. Et ça, c'est cool. Merci pour les GG. Alors, lui, est-ce qu'il va réussir à le lire? Ah oui, mais non, je peux pas. Faut que je la referme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refermer. On va retester les jeux, etc., etc. Mais c'est cool. C'est très, très cool. Et merci pour les GG. Ça fait plaisir. Vous avez vu que ça prend du temps. Mais ça vaut le coup. Après, là, ça a pris du temps parce que, voilà, c'est la première fois que je le faisais. Je pense que la prochaine fois que je le fais... Il faudrait pas que je perde la main. Il faudrait pas que je perde la main et que je le réenchaîne vite. Donc on va se faire des petites CDI de temps à autre, comme ça. Alors ça, il faut que je les réinsère là-dedans. Donc on est sur une belle upgrade. Alors, il y en a qui font, et quand je dis il y en a, c'est notamment des grands réparateurs d'Internet. Les mecs, ils sont vraiment... c'est des dieux, hein, pour moi. Moi, je vois ça comme ça. Et notamment, Airgun sur Twitter. Eux, ils font carrément... Ils n'ont pas le temps. Donc, ils découpent, comme on l'a fait. Ils soudent deux fils avec, au bout, un socket. Donc, ce qu'on a soudé. Le socket, là. Avec le socket au bout. Et ils mettent ça à l'extérieur. Et je trouve ça mais tellement dégueulasse. Mais genre, vraiment affreux. Genre comme si tu avais besoin de changer ta pile tous les 4 matins. Et donc du coup, elle est accessible de l'extérieur, pas besoin de démonter la console, tu vois. T'es en mode, bah ok, d'accord. Pourquoi faire ça? Je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut, après tout. So, que ça vaut l'eau. Câble. On a encore la vidéo qui est branchée, c'est pas grave. Tac, on va remettre notre blindage. Et le blindage, on se souvient, il y avait les petits fils qui passaient par là aussi. On va espérer que le lecteur y fonctionne encore et qu'il ne fasse pas des caprices. Alors comment ça passait? Ça passait comme ça. On a des fils qui sont là.
Ah non, ça passait par au-dessus. Ça passait comme ça. Et pareil, les condos qui sont dans ces machines-là, c'est de la très bonne facture. Vraiment, Philips, ils sont pas foutus de notre gueule en termes de condensateur. Et ça fait vraiment bien le taf. On remet tout ça là-dedans. Est-ce que ça peut aller? Oui. Comme ça, ça dérange absolument personne. Tout est fixé. Oh! C'est beau, hein? C'est beau. C'est une belle machine. Si. Je peux pas te laisser dire oui. C'est une belle machine. Même toute nue. Si les machines, elles sont pas belles toutes nues. Ok. Bon, par contre, Philips, d'avoir mis une prise RJ45 en prise d'alimentation, pire idée, ça, hein, par contre. Hein. On retient, bonhomme. Hein. On retient. Ok, on rallume. On rallume et on va voir. Ok. Donc, la date, elle est encore retenue. L'heure est encore retenue. J'ai envie de dire GG. Ça fait trop plaisir. Après avoir passé 2h20 dessus. Ok. Ok. Jusque-là, on est good. Par contre, le lecteur, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que j'ai comme jeu CDI qui pourrait... Oh, faut qu'on teste du coup le... Ah bah, vous voulez qu'on teste Hotel Mario? On va essayer la carte d'extension qu'on a en stock. Bah ouais, c'est ça, clairement. Clairement. Alors attends, on va réessayer déjà un jeu vidéal. Ah, mais je crois qu'elle prend pas les jeux gravés, celle-là. Je crois. Je dis peut-être des conneries, mais je sais qu'il y a une CDI qui prend pas les jeux gravés. Il me semble que... Bah, j'ai rien dit. Que c'est pas celle-ci. C'est la 470 qui prend pas les jeux gravés. Je sais pas si quoi que t'es encore là. Donc on a Hotel Mario. On peut tester les trois Zelda également, mais c'est des faux hein, que j'ai. Hein. Calmons-nous. Les Zelda que j'ai, c'est des faux. Faut pas déconner non plus. Quand tu vois que le Zelda, il vaut deux fois le prix d'une R11, tu réfléchis à deux fois avant de l'acheter. Franchement, on est d'accord que le composite, il est quand même archi propre, non? Alors, j'aimerais bien avoir la possibilité de sauvegarder. Je trouve le composite archi frais. Oups. Et c'est déjà le décès. Je vais décéder vite. Comme ça. Comme ça, je peux sauvegarder. Elles sont juste légendaires. Oui, c'est vrai que sur ce jeu, elles sont plutôt intéressantes, les cinématiques. Faut être patient. Normalement, je pense que je peux sauvegarder une fois que je suis mouru. Parce que j'ai quand même fait un score de 600. J'aimerais pouvoir le sauvegarder. S'il te plaît. Continue. No. Save. Vas-y, save 1. Yes, I. C. A. B.
Non. Bon, bah tant pis, c'est AA. A, A, B. Save. Saved. Ok, sauvegarde faite. Très bien. Très bien. Dites-moi plus. Donc là, normalement, si j'arrive sur le menu, j'ai le score. Bon, comment ils te font peur? Ils te parlent de prix et tout. Ah, et ça redémarre la console direct. Ils ont pas le temps. Bon, on va aller voir au moins dans les options. Storage, et normalement on est censé avoir Hotel Mario qui est juste ici. Impeccable. Exit. Maintenant, comme on est des thugs, on l'éteint. On débranche là. On débranche là. On rallume pour venir décharger tous les condensateurs. On laisse même un petit peu allumé. Voilà. On va enlever le jeu pour pas qu'il le lance automatiquement. Ok. Et on rebranche tout. Donc de faire ça permet vraiment d'éteindre totalement la console. Et Hotel Mario, il est encore là. Impeccable. C'est cool. On a réussi. On va tester la carte de... La carte que j'ai là. Où qu'elle est. Où que je l'ai mise. La carte, elle est là. Et comme ça, on va voir si ça fonctionne bien. Petite carte. Et on va mettre un film de qualité non négligeable. Qui n'est autre que... Est-ce que je l'ai là? Black Rain avec Michael Douglas. Film que je n'ai jamais vu. Et on allume. Forcément, si je branche pas, ça va pas s'allumer. Et on allume. Carte MPEG 1, et oui. Ah, est-ce que ça va fonctionner? C'est pas dit qu'elle fonctionne cette carte. Hein. Oh, oh! Donc ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir laisser tourner le film pendant un petit moment. Et hey, play all, évidemment. Et ben voilà. Et en plus de ça, on a une carte MPEG 1 d'une valeur d'environ 80 balles qui fonctionne dans la foulée. Putain, ça a été un live efficace aujourd'hui. Hein. On a fait quoi? On a réparé quoi aujourd'hui? On a réparé quoi? On a fait une Lynx. On a fait une CDI 450. Et on a fait la Nomad. Ça lit les DVD. Et non, ça lit pas les DVD. Ça lit les vidéos CD. Ça lit les vidéos CD. Donc c'était un format, on va dire, VHS, un peu mieux au format CD. Voilà. Et donc ça s'appelle des vidéos CD, et c'est assez fou. C'est assez fou. Mais il fallait une carte de décodage qui valait extrêmement cher à l'époque. Et donc souvent, tu ne l'avais pas. Voilà, voilà. Donc c'est cool. On a une très belle machine qui fonctionne. Il ne reste plus qu'à la monter. C'était efficace. Ah bah c'était efficace. Hein. Et en plus de ça, ouais... Je comprends le doute que vous aviez sur le fait que la machine à la fin elle refonctionne pas avec la Dremel qu'on lui a mis dans la gueule. Mais au final, ça a fonctionné. Et ça, c'est tout qu'est-ce qui compte. Et je suis content de cette carte MPEG 1. Salut Vadoralis. Vadorailis, pardon. Je savais pas. Et ouais. Est-ce que le vidéo CD, c'est la même chose que le laserdisc. Est-ce que c'est la même techno ou pas? J'ai un doute. Je crois que non, mais je suis pas sûr.
Donc ça, je le récupère. On va la revisser. Pas du tout. Le LD, c'est analogique. Ok. Justement, j'étais à peu près sûr. Mais j'étais pas sûr à 100%. Je voulais confirmation. Ça, moi, c'est toujours un truc que j'ai du mal. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'écrive... Le vidéo CD, c'est du MPEG 1. Et le CDI, c'est du MPEG... Ah oui. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Donc, en gros, si je dis pas de bêtises, vous me dites si je me trompe. Le laserdisc, on se rapproche plus d'une VHS que ça. Mais avec une meilleure résolution, car la VHS perdait beaucoup de lignes du signal CCAM. Ah, intéressant. Et c'est pour ça que les gens, quand tu avais un laserdisc, c'était un peu le king. Hein. C'était un peu le king. Après, le laserdisc, pour ceux qui se demandent, c'est ce qu'il y a dans le décor. C'est les cadres. Ça, là, c'est un laserdisc. Voilà. Donc c'est un gros DVD en haut. Hop. Impeccable. Ça que c'est tout propre. On lui met un ch'ti coup de produit. So. Je vais pas tout ranger parce que du coup, moi, après, je vais pouvoir retester tout ça. Il est quelle heure? Tiens, putain, et c'est fou. Hein. Et le temps passe vite quand on s'amuse. Il est pratiquement 16h. C'est le deuxième live qui dure aussi longtemps. Hier, on a fait ça aussi. On a duré aussi longtemps. Dis donc quoi. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Je vous l'avoue, là, c'est la passion qui a parlé. J'étais tenté de ne pas le faire, le CDI, là, en me disant, oh, vas-y, tant pis. Il faut autre chose. Genre un truc vite fait, genre j'ai une PS1, là. Et au final, tu vois. Ça valait le coup. Elle est vraiment propre. En plus de ça, elle est très jolie. Oh, le petit ACDC là. Fait plaisir. Et des poils de cheveux. Ça fait les croque-monsieur aussi, non? Ça y est, on va retomber dans les travers des consoles qui font de la bouffe. Pour le pipouin, pour les bapous. Oh là là, le logo Philips, il est magnifique. Au boulot, bravo, merci.
C'est pas le modèle Philips CDI de l'époque, le moins cher. Ah si, celui-là, si. Si. C'était le moins cher, c'était celui qui faisait le plus console. Parce que tu regardes, t'as que un port manette, une sortie vidéo, et c'est tout. Sortie vidéo, sortie audio, et puis voilà. Et il y a une sortie 5 volts. Oh là là! J'avais oublié de lâcher vite, Jimmy. J'ai dit. J'ai dit lâcher et pas lécher, bien sûr. Comment il va, le loup? Mais merci beaucoup, tu régales comme ça. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Comment il va? Comment il va, le loup? Je vais pas remettre le capot. Je vais pas remettre le capot parce que je me connais. Je vais renvoyer la console, sinon, sans ma carte de... avec ma carte de décodage dedans. Je me connais. Merci beaucoup pour les 300 bits, hein. Tu régales. Hein. Et bien sûr, la dédicace pour le loup, qu'on n'hésite pas à aller suivre sur sa chaîne Twitch, bah évidemment. Le loup, il fait du rétro gaming notamment, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Sur YouTube, il fait des fictions absolument dingues. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, s'il vous plaît. Vraiment, il y a des gens qu'il faut suivre sur Twitch qui méritent beaucoup plus de vues. Que ce soit sur Twitch ou YouTube, hein, ils méritent beaucoup plus de vues. C'est du taf. Et ça se fait chier de faire les choses bien. Donc on n'hésite pas. T'excuses pas, Loulou. T'excuses pas, Loulou, voyons. Ah, attendez, je vais le refermer. Et ensuite, vous m'y faites penser, je l'enlève. Et merci Inforea qui offre un abonnement à le loup. Oh là 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 là, merci énormément. Ça fait plaisir. Merci hein, pour tout le soutien que vous m'apportez. Hein. Vraiment, c'est trop gentil. Et donc voilà. Bim, bam, boum. On m'a jamais contacté. Oh là là. Ça t'arrive aussi du coup, I Love My Console. Et I Love My Console qui se reçoit un petit abonnement de la part d'Inforea. Mais dis donc, Inforea, ça va? Tranquille? On arrête de claquer haut? De claquer le PEL à chaque fois qu'on passe sur le live? Oh, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de poussière. Pas de poussière. Mais merci beaucoup, tu régales. Il régale fort, le Inforea. Il régale très très fort. Oh oui, bon bah ça me rassure, je suis pas le seul alors. Mais là, j'avoue que la carte de décodage, ça me ferait vraiment, vraiment, mais alors vraiment chier. Parce que ça coûte cher et c'est rare. Mais j'avoue que le Zelda NES, il fait chier aussi. Hein. Oh là là, et Pabi Kik, qui offre un abonnement aussi à Jeff. Merci beaucoup. Oh là là, bah dis donc. Vous êtes on fire, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil. Et donc voilà, la petite CDI 450 qui fonctionne pour la carte d'extension. Ouais, on va le faire tout de suite. Mais là, je voulais juste faire un petit... une petite photo, petit tour des lieux, et on va effectivement enlever ça, parce que je me connais, je vais l'oublier. Voilà, on va poser ça comme ça, on va la rallumer un dernier coup, moi je vais la laisser tourner avec son petit film pendant des heures, voire même des siècles. Ah oui, ah bah là avec une pile neuve, autant te dire, elle va durer longtemps. Ok, on branche le gamepad. Et faudrait que j'en profite, tiens, pour me faire des... Comme j'ai une CDI de sortie, ouais, c'est bon, des CDI de sortie, j'en ai plein, c'est pas une excuse. Faudrait que je me fasse des SNES ou CDI. Et je suis content qu'on ait réussi à faire ça. On sait que mon PCB, il passe dans la 450. Ça fait plaisir. On va remettre le petit film. Hotel Mario en live. Mais en vrai, Hotel Mario, tu y as joué ou pas? Bah oui, tu y as joué, je suis trop bête. T'as fait une vidéo dessus. Et il paraît que j'apparais dedans. Il paraît. Une légende raconte. Je sais pas. Peut-être que j'apparais dedans, je sais pas. Live aura été long aujourd'hui quand même. Ouais, 6h30, ouais. Ouais, on est sur un live de assez conséquent. On n'est pas pire, j'ai envie de dire. Arme. Oui, avec ta manette. Et oui, avec ma manette, je m'en souviens.
le petit adaptateur qui va bien pour faire fonctionner la bait. Et là, tu fais play all et tu laisses tourner jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, tout simplement. Comme ça, tu es sûr que ta machine elle fonctionne bien. Et tu n'as pas de doute pour la renvoyer à son propriétaire. Et bah, ça tourne. Ça tourne très bien, ça. C'est très très cool. Ça rattrape le retard du début de stream. Comment ça, le retard du début de stream? Moi, je suis en retard. Moi, je suis en retard. Je pense que tu te trompes. Ça devait être quelqu'un d'autre. Tu confonds avec, avec un faux réel, il est tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Tout le temps. Ok, jamais en retard en plus. 450, c'est classe, elle ne fait pas trop magnétoscope. Je trouve que ça va, elle fait quand même un peu magnétoscope. Les années 80, profite pour le regarder. Ah ouais, carrément, profitez pour le regarder. Ok, bah écoute, je vais voir ça, je vais y réfléchir. Je vais réfléchir. Ah, et je sais pas si t'es encore là, The Rolf. Si t'es encore là, sache que... Que tu peux mettre des piles, hein. Je crois. Moi, je mets des piles dans les miennes. Je vais te montrer des photos. Je te répondrai tout à l'heure. Tu peux mettre des piles dans la tienne, hein, normalement. Moi, j'en mets, hein, dans ce truc-là. Hein. C'est comme sur la deuxième photo, la photo de droite. Bah, c'est pas obvious. Ah non, c'est pas obvious. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Tac, tac, tac. Eh ben, écoutez, je vais vous envoyer chez quelqu'un. On va faire un petit raid. N'hésitez pas à rester là et aller lâcher votre petit follow. Oh, bah tiens, pour une fois qu'on peut le faire. Bah, regardez-le. Allez, hop. On va raid le bon Inforéa. Ça nous fait le plaisir d'être là. Il nous régale à chaque fois. Et pour une fois, je peux le raid. Ça, ça fait plaisir. Comme quoi, ça a du bon de streamer tard, jusqu'à 16h. Jeune Jean, je vous envoie chez Inforéa, streamer d'internet, que je vous invite absolument, vraiment, lâchez votre follow chez lui, c'est important. Il fait des réparations de PC portable, de téléphone et de tablette. Donc vraiment, il est très très fort. Il est vraiment très très fort, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Nous, on se retrouve demain soir pour ensemble décider des donation goals. Donc s'il y en a qui veulent réfléchir à ça pour me proposer des idées, n'hésitez pas. Et parce que ce week-end, on est en live caritatif. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et on fera du React comme d'habitude. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je vais m'en aller manger parce qu'il commence à être tard, il est 16h, et ranger tout mon bordel. Merci à tous d'avoir été là, c'était très très cool, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour les follow, ça fait très plaisir, bienvenue à nouveau. Merci énormément pour les dons et les subs, vous savez à quel point ça soutient fort la chaîne, donc merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, c'est grâce à vous hein, que la chaîne est encore là, hein. Une fois de plus, hein, j'insiste là-dessus, vous êtes bientôt 200 abonnés, donc c'est très gentil. Et puis, on se dit à demain, on n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. T'as tous les liens qui sont en description, donc t'as aucune hésitation, t'as aucune excuse. Et n'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives, c'est-à-dire demain. Bref, des bisous tout le monde, à demain, et on n'oublie pas de follow le Inforéa. Tu follow le Inforéa? Non mais sérieux, follow-le. Bah oui. Ah bah je t'engueule. Bah rien à foutre.